Au mois de janvier, la presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein. Il y en a eu certains, mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on voilà. doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Si Simone devient président de la République, là, c'est qu'elle va commencer sur eux pour terminer, commencer à tuer, là, c'est la Annie Tchelé, là, d'abord. Je vous dis, parce que moi, je suis une personne de révélation. Je vous dis, parce que les personnes comme ça, les révolutions comme les Hitler, là, c'est des personnes, quand ils prennent pouvoir, là, quand ils arrivent comme ça, là, ils commencent par ceux qui peuvent les emmerder. On ne veut pas qu'on regrette demain. Simone Lévesque Gbagbo est piquée, elle n'a pas le cœur d'une femme. Non, elle n'a pas le cœur d'une femme tolérante. Non, elle est très méchante. Et quand une femme est méchante, c'est pas dans un gouvernement qu'elle va pas être méchante. Non. Vous avez compris? Et je vous ai dit ici que bon, je ne peux pas tout dire, mais dans ma maladie, dans mon truc, machin, parce que j'étais une victime de guerre, je détiens beaucoup de choses. Vous avez compris? Notre frère du Nord, Fofana Youssouf, a pris des jeunes du Nord qu'ils avaient organisés, effectivement, pour que ces jeunes du Nord puissent éliminer les Burkinabés. Et c'était Simone qui était à la base, avec Blé Goûté. Ça veut dire que je ne suis pas en train de parler pour parler. Je vais brandir les preuves avec des cassettes où Blé Goûté disait « Brayez les allumettes et payez les pétroles. Vous voyez tous, vous connaissez les Aoussa comme ils sont. Brûlez-les. » Moi, j'ai la cassette. Voilà. Je vais aller montrer ça. Et puis je vais poser plainte. Blé Goûté va retourner en prison. Non, il a intérêt à dire à Simone Lévesque Gbagbo. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que Simone Lévesque Gbagbo, c'est une femme, vous la voyez comme ça, c'est une femme, oui. C'est une maman à nous tous. Mais Simone n'a pas un cœur d'une femme, d'une femme de Dieu. Vous voyez? Et quand les gens viennent puis font des révélations, moi je sais vous dire qu'il y a une paix effectivement sur la tête de Simone Lévesque Gbagbo. Il ne faut pas qu'elle va provoquer la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu a une limite. Voilà, c'est ce qu'il a voulu dire. Parce qu'on l'a simplement insulté. Vous avez vu? Donc, ça veut dire quoi? L'escadron de la mort qu'elle a créé hier, qui a tué plein de personnes, puis elle a joué à l'innocente, et puis elle est là comme ça, elle a fait comme ça. C'est elle qui était venue au palais, qui a dit oh, honte, Obama, honte. Et puis les gens devaient aider Gbagbo, puis n'ont plus aidé Gbagbo. Donc, quand elle a mis tout ça là, et puis elle a créé ce scandale-là, comme le Seigneur a dit que celui qui viendra créer ce scandale-là, et malheur pour lui. Là. Donc, elle s'en va tout droit dans sa fosse. Tout ce que vous voyez comme coup à Justin et autres, là. On pense à Alassane Ouattara. Non. C'est elle qui est devant. C'est Simone Lévesque Gbagbo qui est devant, effectivement, toutes ces atrocités-là. C'est elle qui est devant parce qu'elle est une experte aux atrocités. Parce qu'elle a créé hier le scandale de la mort et elle sait comment l'escadron de la mort opérait. Son copain s'est cassé, son gars s'est cassé, qu'il est en prison, il peut témoigner. Donc, quand c'est comme ça, là, hein, c'est une experte en torture. C'est une experte en choses, en mafia. Donc, elle, on lui a donné le rôle. C'est Simone, elle est en train de former une rébellion. Ces gens-là qui sont en train de la nourrir, l'argent, la même argent, elle est en train de former Junior Gbagbo qui est là-bas, de rebelles là-bas. Elle est en train de donner l'argent pour qu'il passe coup d'état. Mais ça ne va même pas réussir, ça ne va pas aller quelque part. On vous a dit que Simone a même vraiment, on n'a qu'à prier pour elle. Tu as compris? Donc, le problème aujourd'hui, là, c'est ça qui est là, mes chers amis. Comment toi, tu sors de la prison nette là, hein? Et puis ça ne tue pas net, et puis à Aboudraman Sangaré meurt, hein? Attendant de voir quelque chose.
attendant de voir quelque chose. Tout ce que vous avez fait dans le secret, là, Dieu va vous faire dévoiler ça. Puis un jour, vous allez avouer ça. Vous allez avouer ça. Parce qu'on n'est pas méchant jusqu'à ce point. Les Ivoiriens vous ont aimé, les Ivoiriens ont prié pour qu'effectivement ce pays-là, ça soit chaud. Donc, il y a déjà des traîtres dedans qui sont en train de faire des choses pour détruire les Ivoiriens. On ne va pas les laisser. Que chacun prie de son côté. On ne va pas les laisser, mes chers amis. On ne va pas les laisser. Je vous dis aujourd'hui. On ne va pas les laisser, je vous dis. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, tous ceux qui sont passés, ils aiment Simone. Parce que c'est-à-dire que vous voyez, non? Quand vous voyez bien, là, il y a une qui disait que les Akans, tous les Akans sont avec vous. Vous êtes avec Simone. Vous pensez que les Akans sont sauvages? Les Akans ne sont pas bêtes. Les Akans ne sont pas bêtes, hein? Il n'y a pas un peuple plus intelligent que les Akans. Parce qu'eux, ils ont basé, effectivement, sur des valeurs. Akan ne peut pas suivre Simone. Akan ne peut jamais suivre Simone. C'est quelques Akans corrompus à qui on donne à manger. Et puis bon, c'est très rare même d'abord. Mais ceux-là, ils sont avec elle parce que quand même, comment ils vont faire? Ils connaissent son cœur. C'est qu'elle elle a un cœur monstrueux. Donc si jamais, ils peuvent tuer. Au moins, elle avait fait escadron de la mort là. Elle tue les gens. Moi, j'étais au palais de la culture. Un matin, elle envoyait les gens. Parce que à cause des petites lettres que je l'ai écrites, Simone m'a gardé rancune jusqu'au jour. Vous vous rendez compte, une première dame, hein, première dame. Ça veut dire que quelqu'un qui veut être président. Quelqu'un qui veut être président de la République et puis qui est une femme. Déjà, on ne peut pas ouvrir la bouche. Quelqu'un ben être tu en même temps. Donc, vous voyez, elle envoie les gens pour me tuer. Voilà. John Taïb Benson peut témoigner. S'il refuse, il met la cassette. Des choses, la clé USB. Voilà. Mais ça, c'est au tribunal là-bas. Je vais mettre quand je vais la convoquer. Mais ceux qui sont en train de dire, oui, on va vous enfermer. Simone a commencé à vous traquer là. Ça va vous surprendre parce que moi, j'ai l'effacer sur la scène politique. Écrivez quelque part. Allez-y, dis à Simone Lévy Babo que Mme Kobri dit, elle va t'effacer sur la scène politique. Même le truc de divorce de Babo là. Actuellement, je suis en train de faire une clé USB comme ça. Je suis en train de faire une clé USB et puis elle remettre ça à Nati Bamba. Je ne la connais pas, mais elle fait tout possible pour toucher quelqu'un, va lui remettre ça. Le jour de leur audience, ils vont mettre la cassette là. Puis Simone Lévy Babo va voir. Elle sera surprise. Moi, je suis grave, hein. Je suis très, très grave. Tu connais mon réseau? Oh. Il y a des gens même qui parlent, vous ne les connaissez pas. Vous les appelez des robots, mais ce sont mes réseaux. Et puis, comment vous pouvez appeler les gens des robots? Et puis, ces personnes-là viennent et puis, ils font des concours. On dit, bon, mais il y a concours, on vous donne 50 000. Faites concours, et puis vous faites concours, et puis on vous donne 50 000. Et puis vous partez, on met chèque au portail, vous partez, on vous donne. Pourtant, vous dites que ce n'est pas des hommes, mais c'est des robots. Non, ça veut dire que dites qu'il y a des gens derrière. Voilà, je vais montrer les preuves de Simone Yves Gbagbo. Avec les Atebi Williams, avec les CKCK et autres. Là, il n'a qu'à faire rire. Qu'est-ce que ça te vous dit? Mais ceux qui auront les yeux pour pleurer, là, ce sont ces partisans qui n'ont rien compris. Et puis, vous savez aussi, comprenez aussi que l'Ivoirien aussi, il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi, ils mettent les gens dans le problème puis te laissent. C'est ce qu'ils veulent faire à Simone. Ceux qui nous insultent aujourd'hui pour dire que Simone va enfermer à l'être. Oui, elle peut enfermer à l'être. Elle peut même la déférer, faire ce qu'elle a envie de faire. Mais moi, je dis, il a posé plainte à Simone. Et c'est quand il a posé plainte à Simone, le monde entier va regarder les cassettes là qui m'ont mis là. Vous allez voir. Aucune femme demande de UGVS ne veut sentir Simone Yves Gbagbo aujourd'hui. La seule personne qui, effectivement, qui peut parler de Simone Yves Gbagbo aujourd'hui, c'est moi. Comment une femme de mon association assise devant me paye pas de Simone Yves Gbagbo, se lève. Que ce soit les femmes de Benoît. Il y a des femmes de Benoît même, effectivement, qui ne peuvent pas entendre parler de Simone Yves Gbagbo. Parce qu'elle nous a fait du mal. Et simplement, les gens ont arrêté à parler mal de Simone Yves Gbagbo. Simone Yves Gbagbo est parti l'arrêter à l'aéroport. C'est pour vous dire quoi? Que Simone Yves Gbagbo ne pouvait pas être capable de poursuivre une personne pour l'aider. Et tout ce qu'elle a, ce sont les petits jeunes là. Voilà. Les femmes là. Les femmes de choses là. Là-bas là, ils étaient très, 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 très sensibles à ces petits jeunes là qui venaient effectivement les côtoyer là. Parce que des jeunes viennent, parce qu'ils sont dans des quatre, ils vont avoir quatre maîtres, des ministres, des femmes ministres, des femmes, les gnagnis, appellent pour dire, ah, vraiment, c'est lui à faire de soi. Puis ils viennent dire que moi, c'est ma copine, qui est telle, moi, ils ne vont pas vous recevoir. On dit, ah, ce petit, il soit telle femme, là, ce petit, il soit tel ministre, ah, c'est son copain. Et puis, nous, on est allé là, on ne nous a pas reçus. Mais ceux-là, ils sont avec elle, parce que quand même, comment ils vont faire? Ils connaissent son cœur, c'est qu'elle est, elle a un cœur monstrueux. Donc si jamais ils peuvent tuer, au moins j'avais fait escadron de la mort là. Elle tue les gens. Moi j'étais au palais de la culture, un matin elle envoyait les gens. Parce que à cause des petites lettres que je l'ai écrites, Simone m'a gardé rancune jusqu'au jour. Vous vous rendez compte, une première dame, hein, première dame, ça dit que quelqu'un qui veut être président. Quelqu'un qui veut être président de la République et puis qui est une femme. Déjà on ne peut pas ouvrir la bouche, quelqu'un ben être tu en même temps. Donc vous voyez, elle envoie les gens pour me tuer.
Voilà, John Taïb Benson peut témoigner. S'il refuse, il met la cassette, des choses, la clé USB. Voilà. Mais ça, c'est au tribunal là-bas, je vais mettre quand j'ai la convoquer. Mais là, ceux qui sont en train de dire, oui, on va vous enfermer, Simone a commencé à vous traquer là, ça va vous surprendre, parce que moi, j'ai les faces sur la scène politique. Écrivez quelque part. Allez-y, dis à Simone Lévesque Babo que Mme Kobri dit, elle va t'effacer sur la scène politique. Même le truc de divorce de Babo, là, actuellement, je suis en train de faire une clé USB comme ça. Je suis en train de faire une clé USB et puis elle remet ça à Nati Bamba. Je ne la connais pas, mais elle fait tout possible pour toucher quelqu'un, va lui remettre ça. Le jour de leur audience, ils vont mettre la cassette là, puis Simone Lévesque Babo va voir, elle sera suivie. Moi, je suis grave, hein. Je suis très, très grave. Tu connais mon réseau? Oh. Il y a des gens même qui parlent, vous ne les connaissez pas. Vous les appelez des robots, mais ce sont mes réseaux. Et puis, comment vous pouvez appeler les gens des robots? Et puis, ces personnes-là viennent et puis, ils font des concours. On dit, bon, mais il y a concours, on vous donne 50 000. Faites concours, et puis vous faites concours, et puis on vous donne 50 000, et puis vous partez, on met chèque au portail, vous partez pour vous donner. Pourtant, vous dites que ce n'est pas des hommes, mais c'est des robots. Non, ça veut dire que dites qu'il y a des gens derrière. Voilà, je vais montrer les preuves de Simone Yves Gbagbo. Avec les ATB Williams, avec les CKCK et autres. Là, il n'a qu'à faire erreur. Qu'est-ce que ça t'a vous dit? Mais là, ceux qui auront les yeux pour pleurer, là, ce sont ces partisans qui n'ont rien compris. Et puis, vous savez aussi, comprenez aussi que l'Ivoirien aussi, il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi, ils mettent les gens dans le problème puis te laissent. C'est ce qu'ils veulent faire à Simone. Ceux qui nous insultent aujourd'hui pour dire que Simone va enfermer à l'aide. Oui, elle peut enfermer à l'aide. Elle peut même la déférer parce qu'elle a envie de faire. Mais moi, je dis, il a posé plainte à Simone. Et c'est quand il a posé plainte à Simone, le monde entier va regarder les cassettes là qui vont venir. Vous allez voir. Aucune femme de UGVS ne veut sentir Simone Yves Gbagbo aujourd'hui. La seule personne qui, effectivement, qui peut parler de Simone Yves Gbagbo aujourd'hui, c'est moi. Comment une femme de mon association assise devant moi, puis elle parle de Simone Yves Gbagbo, elle s'élève. Que ce soit les femmes de Benoît. Il y a des femmes de Benoît même, effectivement, qui ne peuvent pas entendre parler de Simone Yves Gbagbo. Parce qu'elle nous a fait du mal. Et simplement, les gens ont arrêté à parler mal de Simone Yves Gbagbo. Simone Yves Gbagbo est partie l'arrêter à l'aéroport. C'est pour vous dire quoi? Que Simone Yves Gbagbo ne pouvait pas être capable de poursuivre une personne pour l'aider.